La horde commence dans combien de temps, ma poule? Elle commence dans, je dirais, 5 minutes à peu près. Fort bien. C'est bon. Ok. J'attends que ça crafte. Dirac, je veux pas dénoncer, mais depuis que vous êtes rentré de balade, Franck fouille dans tous les coffres pour faire semblant d'être occupé. Ça ressemble aimablement à une pause dissimulée. Merci de ce signalement. J'en connais qui ont connu la même chose que moi. Pourquoi? Où est ma troisième tourelle? Ah, je l'ai prise, elle était cassée. Ah merde! La pauvre bibiche. Oh, regarde-moi le lui. Les billets dans la bouffe, à côté des plumes. Le fouet a une grande portée, donc ça sera plus pratique de le toucher au fond du trou. Alors, ah, alors... avance toi. Ah oui, petite Lucien me fait te dire. Tu dis à Jack que ça arrive à des gens bien d'être malades en mangeant juste avant la horde. Ah, mais ça bug pas la taille maximum des maps? Je sais que les 8K, ouais, ont tendance à bugger. Mais les 4K, déjà, c'est très bien. Merci. Ah, faut que j'aille chercher à manger. Tiens, c'est ça que j'ai oublié de faire. Manger. Alors, je devrais le mettre sur la tourelle sur Mirador, mais il faut être à proximité pour qu'elle s'enclenche. C'est ça, Jacko, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Chérie? Oui. Merci. Non, mais c'est pas à toi que je parle, c'est à la tourelle. Ah, d'accord. D'accord, donc t'appelles tout le monde chérie, c'est pas du tout un titre honorifique pour moi. Bravo. Non, mais tu rêves, Coco. T'arrêtes pas de m'insulter. Ah merde, j'ai et pas pris de flotte. T'as jeté notre alliance sur Project Zomboid. T'as pris de quoi boire? Évidemment, tu en veux? Ouais, je veux bien. Ça sert à rien. Oh là là, Jacques. Putain, mais je suis déjà blindé. Ah, merci. Je t'en prie. Tu veux pas dire que tu as pas... Bonne merde pour la horde, je confirme que tu vas adorer la M60. Oh Franck, si t'arrives à looter pendant que ça... Ça pop, ouais, ouais. Ça des pop, ouais. Pardon. Oh, il y a du chien des... Oui, oh, il a fait un petit bond. Il a fait un petit bond de ragondin, là. Surprenant. Oh, t'as vu, on a notre premier tout sec. Oui, oui, je suis surpris. Et on a un tout vert. Je constate. Ouh là là. J'ai une chance qu'on ait besoin de tester nos systèmes de fuite. Jaco ? Ouais. Est-ce bien normal qu'il y ait autant de monde ? Bah, je pense, oui, hein. On est quand même jour 15. Ouais, c'est pas rien. Mm-hmm. Je suis quand même sceptique. Par contre, ils ont beaucoup de yeux jaunes, je trouve, hein. Ouais, ils m'ont mis tarif. Je vais mettre un petit molotov, je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est de bonne loi, cher ami. Allons-y. Je suis désolé les amis, je vous dis juste après. Hein. Oh, joli. Bon bah oui, il faut ça. Hein. Oui, c'est le minimum. Ils ont l'air... Tu sais qu'on a déjà perdu deux... Mais non, regarde pas. Ça va bien se passer. Mm-hmm. Alors on les a perdus parce qu'ils étaient... J'avais oublié de les réparer en fait. Ils étaient un peu moins solides. Sérieux? Oui. Sac. Molotov. Je recule. Joli tir. Bah écoute, ils sont quand même... ça fait un gros tas. Du coup, j'ai juste à viser le milieu du tas. Et ça ne me paraît pas loufoque. Oh ouais, ça suffit, ne me tapez pas. Hein. Ma personne est sacrée, ne me touchez pas. Ça manant. Dégagez, bande de punk aux yeux jaunes, je suis sûr que vous vous droguez. C'est une évidence quand tu vois leur tête. Oh, bah dis donc toi. Elle est mourue? C'est bon, il est mort. Attends, je me débarrasse des spiders.
dis donc, Coco, t'arrêtes de sauter. Je mets un petit molotov. Petite réparation peut-être de... Oh, pardon, je les ai fait tomber. T'es mouru, t'es quoi, toi ? Pourquoi je peux pas le réparer, ça ? Ah, ça y est. Je répare, hein. Oui, vas-y, je t'en prie. Là, et je vais en profiter, je vais mettre un petit coup de polish sur celui-là aussi. J'ai un peu paniqué. Ah. Bon, là... Jacques. Oui, oui, j'ai vu, t'inquiète pas, je l'ai vu. Est-ce bien normal ? Je ne sais pas, Franck. Est-ce que tu veux que je joue du fusil à pompe pour dégager un peu la place ? Quand ça va... Ouais, je sais pas. J'en sais rien, Franck. Bah, moi, je le sais. Il tape un peu fort sur nos défenses, je trouve. C'est un peu irrespectueux. Il y a un spider. Attends, je vais leur mettre un petit molotov. Essaye de garder des balles par contre, parce que si à un moment on a besoin... Ouf. Tu vois que ça a tenu. Ça va être plus dans le plus grand des calmes. Faut vraiment qu'on en discute ? Non, mais ça... Ça tient proprement, je trouve. Oui, il y a déjà un pôle qui a sauté. Mais non. C'est rien, Franck. Ne regarde pas. C'est un effet d'optique. On a l'impression que le pôle a craqué, mais avec la perspective... voilà, c'est trompeur. C'est trompeur. La perspective. C'est ça. C'est un truc... ouais, c'est compliqué, je vais pas rentrer dans des explications techniques, mais voilà. C'est un effet de perspective. Petit bâtard. Tu as vu qu'on avait un irradié dans la base quand même. Hein ? Non, j'avais pas vu. J'ai oui. Parfaite confiance en ta maîtrise des imprévus. Ah, on a pu surtout péter ces cons. Tant mieux, ça va nous faire un peu de... Oh putain ! Attends, je vais... Jaco ! Ah bah je te laisse gérer, je répare pendant ce temps-là. Oui, oui, je t'en prie. Prends ton temps, hein. Ouais, je répare, Franck. Tout va bien. La maîtrise est absolue. Il me semble qu'il y a trois pôles qui ont sauté. Oui, effectivement, c'est probable. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai une confiance absolue en Jack. Ah oui, ils tapent à leurs pieds, en fait. C'est ça qui est bizarre. Attention. Ah, là, voilà. Ah, j'ai plus de vie. Enfin, que je... Tu as tout ce qu'il te faut ? Ouais, ouais, c'est bon. Dégage-moi de là. Enfin, je répare ça. C'est abîmé, là. Vous me l'abîmez, hein, ma base, hein. Bande de punk. Petit con. Foutu punk à chien. Aïe. Mon bon Jack. Oui. Te resterait-il. Est-ce qu'il te reste peut-être un cocktail Molotov afin d'offrir un cocktail à nos amis ? Oh oui, bah tiens, je vais les rafraîchir. Je t'en prie. Voilà. Ils habitent notre base, hein. Je trouve que. Ils respectent pas trop le. C'est des biens publics. Attention. Ah, on a un petit sec. Il est mort ? Oui, c'est bon. Déjà pété le truc du dessous, c'est un truc de fou. Oh, flic. Et merde. Me dis pas que t'as plus de balles. Si. Large, t'inquiète. T'inquiète pas mon poulet, j'ai large de quoi. Ah, il est explosé.
T'as vu comment il a volé le chien? Oh, c'était beau. Encore un flic. Flic et merde. Bon. Ouais, il est mort. On voit le bout, t'as vu, Franck? On est quasi à la moitié là. Pardon? On est quasi à la moitié. Molotov. Flic. Militaire. Joli. Il est mort le flic? Ouais, c'est bon. Ouais. Encore un flic. Flic. Ok, bon, je vais me soigner un coup, moi. Ouf. Bon, ils sont un peu cons, hein. Faut quand même admettre. Il faut dire qu'ils sont un peu neuneux, mais ça me va. Ouais, attends, je vais remettre un bloc, t'es prêt? Oui. Attends, faudrait que le chien dépop, par contre. Attends, je m'en occupe. C'est bon, le chien dépop. Ok, c'est parti. Ah, flic. Flic. Il est mouru ? Ouais, je pense. Je vais mettre un petit mot de puff là-dessus, ça me paraît bien. Oh, c'est des coups, ça fait un drôle de bruit. Oui, je crois que c'est... Oh, mince. Attention. Je crois que c'est le flic en explosant. Tu crois ? Ouais. C'était un peu bizarre. Oui. C'était pas rassurant. Ah. Mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de yeux jaunes, je trouve. Tu vois? Ils sont très colère. Par contre, à quel moment tu me touches, toi? Je te cache pas que Franck, je suis inquiet sur la résistance de la base quand on va avoir des trucs explosifs. Hein. Je suis déjà inquiet par rapport à la résistance de la base maintenant. De façon générale? Oui, c'est à peu près le principe. Je vais réparer un petit peu. Faut que je répare ça. J'ai l'impression qu'ils ont tellement cassé les trucs en bas qu'ils attaquent en dessous, Franck. Oui, je confirme. Attends. Serait-il pas de bonne aloi de leur en foutre plein la gueule de loin? Ouais, ils arrivent à... Ils sont où? En dessous. Bah non, ils sont censés passer par là. On a un flickman qui est en train de nous péter les trucs. Ouais. Ça pue du cul, ça. Il faudrait qu'ils arrivent à monter ici. Attends, je vais leur remettre des pôles. Parce que... Franck, je pense que la situation nous échappe quelque peu. J'ai 48 flèches, alors on va gérer ça comme on peut. Peut-être des armes? Des armes et des balles aussi, il faudrait, non? Tu as du 9 mm qui t'attend. Ok. Est-ce qu'on a un revolver? Oui. Je l'ai mis dans la caisse arme. Ah, la base commence à s'effondrer. Est-ce que c'est censé me rassurer? Non, on n'est pas... Bonne nuit, Gavark. C'est plus, voilà, bon, si tu sens que le sol se dérobe sous tes pieds, on peut partir sur une fuite. Parce que le flic m'a un poil mis de crachouille. Alors ne vise pas les verres, hein, parce qu'ils vont régénérer. Bien, ça marche, patron. Par contre, c'est un poil loufoque, non, qu'ils attaquent la rampe. Tu es où, là, hein? Je suis en haut. Là, attends. Regarde, je suis au-dessus. Ah, d'accord. Non, ils sont en train de péter tout le rez-de-chaussée, en fait. C'est ça. Ça pue, non? Oui, c'est ça, ça pue. C'est ce terme. Je cherchais un terme un peu technique, et c'est ça que je cherchais comme terme. Ah, je suis pas fan de l'idée. Ah, merde, c'est quoi ça?
Ah, c'est un flic qui m'a craché dessus, non? Oui, c'est ça. Il y a un flic en bas qui arrête pas. Simplement, je ne sais pas où il est. Ouais, je vais aller chercher des soins. Oh mon dieu, ils sont en train de péter le Mirador, Jack. Le Mirador tout neuf que je t'avais fait. Papy! Papy! Non! Je le revois encore tomber! Arrêtez de péter mes piliers! On va devoir faire une rampe plus large, je pense. Est-ce bien normal que ces abrutis s'attaquent à tout sauf à la rampe? Ben, je ne sais pas, Franck. Tu vois, je suis un peu pris au dépourvu, je te cache pas. Non, parce que, en fait, là, si tu veux, j'ai un petit problème technique. Ouais, c'est que t'as plus de balles. J'ai plus d'arbalète, en fait. D'accord. Enfin, j'ai plus de carreaux d'arbalète. Oh, oh, oh. Je me fais bourriner par quoi? Par un flic, je pense. Oh là là, ça lag. Ouais, ça lag. Hein. Ils sont nombreux, je crois. Hein. Je n'ai pas augmenté le nombre, Franck, malgré ce que tu peux penser. Je n'ai rien dit, Jack. J'aurais pu penser quelque chose, mais je n'ai... Je vais aller voir si on n'a pas des... Cette bande de... des munitions. Oh mon dieu. On est foutu. Il faut évacuer. Ouais, évacuer comme t'y vas. Bon, c'est vrai, j'exagère un peu. Mais on est quand même dans le caca. Oui, oui, oui. Notre base est plus ou moins dans la décrépitude, là. Hein. Du 762 ? Cool. Il me faut un autre flingue. Vite. Qu'est-ce qu'on a ? Un fusil de chasse de niveau 2 ? Je prends. Et un AK? Non, ça ne me servira à rien. C'est quoi ça? Une MR10, c'est quoi? C'est un fusil de sniper? Ah! Les flics sont morts. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Vous pouvez pas venir prendre la rampe? Vous comporter de façon civilisée? On vous a fait une belle rampe. Oh les petits cons, ils ont pété le toit? Ouais, ils ont pété le toit, ouais, fais gaffe à pas tomber. Ils ont quand même seulement abîmé le truc. Non, ils veulent pas monter. Hein. Mais c'est relou. Bah ouais, je te le fais pas dire. J'ai très peur de l'état du dessous, en fait. Ah ben, il manque tout le mur. Ah le apparemment, le Mirador n'est pas tombé. Je pensais qu'il se serait effondré, tu vois. Non, bah y'a le flic. Et il a explosé. Bah voilà. Ah, il y en a un qui monte à la rampe, là? Non, négatif. Il y a un beau bordel en dessous, quand même. Hein. C'est un joli bordel. Et merci, Bartek. Merci beaucoup pour le follow. Et bonsoir, Seb. Comment vas-tu? Je suis désolé, je vous lis juste après. Ça s'est pas exactement passé comme j'ai prévu. Ce qui me désespère, c'est qu'on fait mouche et que ça tombe pas. Non. Ça, c'est vrai qu'il tombe peu. Laisse le Mirador. Ah, les petits cons. Oh, putain, il y en a encore. Est-ce qu'on a encore l'échelle ici? Oui, c'est bon. Mais c'est ouf. Ouais. Ah, il y a plein de sacs à prendre en bas. Si ça t'embête pas, je voudrais attendre qu'il y ait moins de Z, en fait. Évidemment, si ça t'embête pas. Hein. Non, ça m'embête pas du tout. Elle est par où, ma bobinette? J'aime pas quand tu poses cette question. Attends, je vais les éloigner. J'aimerais que t'ailles chercher les sacs. Ah oui, donc c'est moi que t'envoie une mort certaine. Non, mais non, c'est pas une mort certaine. Je vais faire diversion, Franck. Tu connais les bonnes vieilles tactiques au possum? Jack, est-ce que tu as vu le nombre de Z qui est en bas? Ben non, justement, j'ai envie d'aller voir aussi, tu vois. Ah voilà, on est d'accord, tu veux aller voir. Oui, voilà. Oh mon dieu, c'est un bordel. C'est la curiosité, un peu malsaine, j'en conviens. Bonjour, arrêtez de taper nos piliers, s'il vous plaît. Oh, la rampe est... Oh, le bar! Oh, Franck, notre bar. Oui. Notre bar est perdu. Tu
tu ne peux pas dire ça, Jack. Là, c'est foutu, là. On le récupérera pas. Ah, y a du peuple, hein. Genre combien? Nombreux. Jack? Oui. Fuis. Et merde, j'ai plus de balles. Tu t'en sors? Je vais essayer. Essayer de les éloigner, mais faudrait que ça touche quand même. Ça serait pas mal. À un moment donné, potentiellement, je dirais oui. Ça me plairait. C'était pas bon, ça. J'ai surtout failli m'éclater comme une grosse bouse. C'est bon. Ah, c'est bon. J'entends une montée. Oh mon dieu, la base. Et un militaire en moins. Il y a un spider. C'est bon, je l'ai eu. Arrête de courir, Coco. Oh mon dieu, le bordel. Oh la vache, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est normal que les grilles s'effondrent de notre base? Je pense que la base est en train de s'effondrer progressivement. Il faudrait peut-être que je fuis, non? Bah, c'est toi qui vois, hein. Bah, disons que ça m'embête de fuir. Oh mon dieu, le bordel. Oh, lui, il court pas. D'accord. Ouais. Bah, quand je l'ai vu près de toi, j'ai préféré tirer. Hein. Mais putain, ils sont où? Ils sont sous la base. Ah, j'ai du peuple qui arrive là. Trop bon, ça. Fuis. Merde. Lui, tu m'as touché, toi. Ah, c'est bon. Ah, je récupère tes carreaux d'arbalète, Franck. Mais je te remercie. Bah écoute, ça me fait plaisir. Par contre, il va falloir que je monte chercher des soins à un moment. Tu veux que je fasse le petit tour en moto? Attends, je vais faire la vignette. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien, parfait. Si vous pouviez sortir de notre base, s'il vous plaît. Fais le tour. Par l'accès est. À mon avis, il y aura moins de monde. Non, mais attends, je vais essayer d'en tuer quelques-uns avant. Est-ce une bonne idée? Oh merde. Putain de bordel de pompe. Fuit de carabiner en moto. Ça lag tellement. Ouais, je crois que le bâtiment est en train de s'effondrer. Ça veut dire qu'il va falloir évacuer? Bah ça va s'effondrer. Je pense que ça va s'effondrer progressivement, tu vois. Je prends des soins et je redescends. Hein. Excuse-moi. J'en bute un, il y en a 5 qui arrivent. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux là. Ah, j'aurais dû prendre du café, tiens. Tout ce que j'espère. Tu veux que je t'en donne? Oh, mais j'espère que la totalité de la base ne va pas s'effondrer, c'est surtout ça. Ça serait ballot. Comme tu dis, ballot, c'est exactement le terme que je cherchais, dis donc. Je t'en prie. Ah, il y a une crieuse qui attire du monde. Ça nous arrange pas. Et ça, il y a une crieuse, faut que je la trouve. Et là. Attends, ma petite mère. Il me reste 12 balles. C'est pas la bonne. Avec... Merde. Raté. Tu l'as vu? Non. Oh, il y a du monde. Merde. Si tu pouvais réussir à la tuer, ça serait bien. Parce
que sinon on va rapidement rencontrer des problèmes. Je vais essayer de la choper. Le problème c'est qu'elle est rentrée à l'intérieur. Putain, mais il décolle jamais, hein, c'est terrible. Oh mon dieu, Jack. Il faudrait que le plafond de la base. Il faudrait que tu descends de les faire à la masse, Franck. T'as plus de balles là. C'est-à-dire que je suis moyennement chaud pour les descendre à la masse. Parce que dans l'eau, il y en a qui courent quand même. Hein. Oui, oui, bah j'ai bien noté ça. T'inquiète pas. je les ai remarqués ceux qui courent. Parce que là, ça devient problématique. Problématique ? Oui, je sais. C'est pas vraiment le mot qui viendrait à l'esprit. Tu veux du 762 ? On va essayer d'aller les attirer. Allez, venez par ici, les abrutis. Ah oui, ça cavale derrière toi. C'est bon ? Mais bon, on a quand même le gros de la troupe. Enfin... C'est un problème, ça. Ah, disons qu'ils s'en prennent au mirador. T'as ton pompe ? Oui, monsieur. Il te reste des balles ? Oui, monsieur. Il faudrait que tu viennes les déloger aux pompes. Je vais essayer. Laisse-moi le temps d'arriver. Et je te dépose des balles de 7,62 dans la caisse à mun. Je sais pas pourquoi, ça a pas l'air d'être une bonne idée. C'est un peu la merde là, Franck. Je te cache pas que... Que c'est à chier. Ouais, si tu viens, les faire à la masse avec moi, je pense qu'à deux c'est jouable. Si on arrive à les attirer progressivement, ouais. Une seconde, chaton. Je dépose d'abord du merdier. Dis-moi, patron. Oui. Je passe. Je vais sortir côté. Alors, je dépose ma pelle, ma pioche, enfin tout le merdier. Quoique, ma pelle et ma pioche, je vais la garder avec moi. Franck. Oui. Ne regarde pas l'état du bar hein, en descendant. Non, monsieur. Par contre, je suis côté. Alors, attends, où est mon échelle ? Où est l'échelle ? Ah, ça y est. Je suis du côté ouest. Ok. Je descends. Pardon, j'ai chuté. Oh mon Dieu, Seigneur Dieu. Là, on est un peu dans la merde. Oh, là. Un peu ? Oui. Je sais pas si le un peu est justifié. Moi, ce qui m'étonne, c'est que la base continue de tenir debout. Et ça, tu vois, c'est la preuve d'une conception. Une conception sans faille. Par contre. Oh la vache. Ouais, mon premier irradié. Si on avait des explosifs, ça serait tellement beau. Moi, ce qui me dérange, c'est le clébard. Viens, Coco. Bon. Jaco ? Oui. Je me sens un peu seul. T'es vers où, là ? Je suis parti à l'ouest de la base. Et il y a du monde. Oh bah, je sais, je les vois. Oui, sauf que moi, ils me coursent. Ah, c'est toi qui veulent. Oh, merde. C'était pas prévu, ça. Et là, gros Bob, j'aimerais bien te finir, toi. Au secours! À moi! Au secours! Non! Putain! Bon, je suis dans le popo. Qu'est-ce que tu entends par je suis dans le popo? J'ai 10 points de vue, je suis poursuivi par un jaune fluo. Putain, qui me lâche pas. Je suis mort. Voilà, il m'a pas lâché. Est-ce que ça cavale ? Non. J'ai attiré les classiques avec moi. Si tu pourrais, si t'arrives à les isoler. Ah bah, je suis en train de les éliminer au coup par coup. Mais je te cache pas que j'ai un peu pris tarif. Hein. Ah bah, je veux bien te croire. Le problème, c'est que je vois pas si ça cavale de l'autre côté. Allez, si les hordes commencent à s'étaler sur plusieurs jours, on va pas être bien. Disons que ça va être un peu problématique. Hein. Je viens d'en éliminer plusieurs. Je retourne vers la base. Ouais, je vais essayer de me diriger vers. Évite de revenir vers la base
Je crois qu'il y en a plus dans le sous-sol. Je te vois. Ouais, je suis là. Moi, je suis mort un peu plus loin, moi. Attends, je te suis. Je me méfie. Attends, j'ai plus d'endu, par contre. C'est ça, moquez-vous, je suis en train de vous lire en même temps. Est-ce que Franck va survivre? Les paris sont lancés. Ah bah, pour le moment, je suis encore vivant. Ah putain, ils par sont contre, encore là. Par contre, j'ai plus de balles. Comment ça, ils sont encore là? Genre combien? Non, non, là, il y en a trop 4 et il n'y a plus le vert, donc ça va. Ça cavale plus? J'aimerais non, bien ça cavale pas. Plus. Faut que je récupère ma masse, par contre. Petite carse. Ouais, c'est bon. Alors, c'est qui le patron? Aïe! Oh putain! Il faut fuir, Jack! Je vais remonter là-haut et me chercher une masse, moi, avant. Tu vois qu'il faut garder des balles, Franck. Un loup feral? Ah, on a eu la horde de loups. Non, mais attendez, vous déconnez, là. Je vais me chercher une arme. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce délirium? Deux loups? Mais ils sont faits en quoi, en plus? Ah, mais j'avais ma barre d'action, quel abruti. Mais son froc est mort à Franck. Mais ils donnent rien, les loups, en mode feral? Bah non, ils donnent pas plus que c'est juste qu'ils sont un peu plus costauds, quoi. Bon, de nouveau un flingue. Oui, j'ai vu que le troisième était là-bas, vous inquiétez pas. Et arrêtez, vous vous rendez nerveux. Putain, il y en a deux. Comment ça, Franck, Jack va pas être content par rapport au nombre de balles utilisées? Non, mais vous foutez de qui? Ouais, non, non, là, il faut utiliser des balles sur ces trucs-là. T'en as deux sur la route. On s'est pris la horde de chiens juste derrière, je vais aller voir l'état de la maison. Où tu en as? Sur la route là. T'en as un au fond et t'en as un ici. Quel merdier, putain. Ah, je vais chercher mon sac avant. Bon, la base. Nom de Zeus. On lui dit que c'est bugué. Bon, là tu vas pouvoir montrer aux gens. Là, ok, j'admets, ça a frotté. Ouais, oh, là, putain. Attends, j'arrive. Alors attends, parce que le problème que j'ai, c'est que je suis contaminé. Oh la gueule! Je prends juste des cachetons. Est-ce que tu es contaminé? Ah bah non, non. Bah non, non, je suis pas. Excuse-moi, oui. Non, excuse-moi. C'est quoi? Antibiotique naturel? Oui. Là, c'est abîmé, là. Je te cache pas qu'on est sur un truc abîmé quand même. On est sur quelque chose de relativement merdique, c'est ça que t'es en train de me dire? Bah, je vais te laisser venir voir, je vais aller chercher de quoi réparer. Là, il y a du boulot quand même en termes de réparation. Je cache pas qu'on a un petit coup de polish à mettre. Il va falloir insister quand même. Ah, ils m'ont laissé l'échelle, ça c'est gentil. Oh mon dieu. Ouais. Bon, au moins ils ont pas touché au billard. Ah, mais t'es juste. Oh mon dieu, le bar. Regarde, par contre, avantage. Je trouve qu'on circule beaucoup mieux qu'avant. Oui, c'est très aéré. Tu vois? Oh! Mais où sont nos chiottes? Ah bah là, il n'y a plus rien. Oh putain! Et regarde la rampe. J'hésite putain, pour la vitesse. Je pense que la rampe, elle est pas mal quand même. Ah, ça explique pourquoi il n'arrivait plus à monter. Hein, avant. Alors, note bien, Franck, hein, que le gros de la base est encore debout. Je note surtout qu'on non mais bosse. Je suis d'accord. Les dégâts ont l'air impressionnants vu comme ça, mais un petit coup de wood frame, 2-3 petits coups de pierre à pavé et voilà, ça sera comme neuf. Ah, il y a plus de toit là. C'est ce que je te disais en fait tout à l'heure. On a plus de... On a du boulot quand même. Alors par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que la prochaine horde dans deux jours.